Ces cauchemars ne s'arrêteront jamais. La douleur est toujours là, mais le temps va t'aider à vivre avec. On ne peut même pas dire que c'était la fatalité. Il y avait un coupable, mais il a volé toute explication. C'est le procès qui va établir les responsabilités. Un procès? À quoi va servir un procès? Accabler des personnes parce qu'elles ont fait leur travail et que ce sont les seules qui peuvent encore être accablées? Non, un procès ne servira qu'à rendre plus malheureux des gens qui attendent des réponses qu'ils n'auront pas. Moi, je n'attends rien des autres. Nous ne pouvons plus nous en remettre qu'à nous-mêmes. Il ne faut pas te sentir coupable. Ça ne t'aidera pas. Ça va te rendre encore plus triste. D'une certaine façon, je suis responsable. Je sais d'où viennent ces cauchemars, leurs raisons profondes. Nous nous sommes quittés fâchés. C'est comme une blessure ouverte. Elle ne se refermera jamais. La dernière chose que je lui ai dite, c'est « Je te déteste ». Mais je sais que sa dernière pensée a été pour toi. Tu veux rentrer chez toi? Tu peux encore changer d'avis. Un mot et on retourne à la maison. Mais on en a déjà parlé, arrête! J'ai mon billet d'avion et je suis enregistrée. C'est bon maintenant. Mais je vois bien que t'es pas en forme. Reste encore un peu. Ça va te reposer. Mais putain, maman, arrête! Je suis venue passer quelques jours pour me changer des idées. J'étouffe là. J'ai besoin de rentrer et me retrouver seule. Mais tu peux comprendre ça quand même. Oui, d'accord. Mais je t'en supplie. Fais quelque chose. Il faut que tu oublies cet homme. Si je pouvais... Tu sais, je l'aimais pas, moi, ce type. Moi, je l'aimais. Tu en trouveras un autre, belle comme tu es. Il suffit d'attendre. Mais c'est tout ce que j'ai pas envie d'entendre. J'ai pas envie d'attendre et j'ai pas envie d'en trouver un autre. J'ai envie de rien. Je disais ça pour te remonter le moral.
J'aime pas te voir déprimée. Non mais attends, c'est facile pour toi. T'es avec un homme qui t'adore depuis des années, avec qui t'es heureuse. T'as une famille, des amis, une maison, et moi j'ai rien. Rien. La seule chose bien que j'avais vient de me quitter. Mais nous sommes là, nous. Super. Allez, tu as des raisons d'être heureuse, essaie de les voir. Et arrête de t'enfermer dans ton mal-être. Je te déteste quand tu es comme ça. Vous aussi, vous rentrez au pays ? Oui. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, il est à l'heure. J'espère, d'autant que j'ai déjà eu du retard à l'aller, j'aimerais autant éviter. Vous étiez en vacances ? Oui, enfin, 2-3 jours, histoire de découvrir la ville sans avoir besoin de valise. Et vous ? Ouais, pareil, 2-3 jours chez un ami. Enfin, 2-3 nuits plutôt, pour faire la fête. Ah, c'était donc ça, cette odeur d'alcool que j'ai sentie quand vous êtes assis. Ok, salut, le dragueur emballe ses trucs de gros naze. Mais non, tant qu'on n'est pas assis à côté dans l'avion, je pourrais supporter. T'as pas oublié, c'est son dernier vol aujourd'hui. Non, non, t'inquiète. J'ai réservé une table pour ce soir. Tu me rejoins dans ma chambre après ? Avec plaisir. Tu te souviens qu'on t'a préparé une petite surprise ce soir ? Oh, mais vous êtes adorable de penser à moi. Ça va être dur de vous quitter. Non mais sérieusement, je déteste les gens qui boivent pendant le vol.
On dirait qu'ils prennent l'avion pour se bourrer la gueule. À ce compte-là, mec, va dans un bar, ça coûtera moins cher. Ok, j'ai compris, je boirai du jus de tomate. Ah non, ça c'est moi. T'as qu'à le ranger, toi. Je me permets de te tutoyer. Ah bah voyons. Attends, je regarde. 20F. Ah, 20, super, je vais encore mettre une heure à sortir de l'avion. Mais non, dis pas ça. Moi je suis 8D. Eh, voilà pour côté des choses. Pour moi, tu auras pas mes effluves d'alcool pendant le vol. Ouais, à moins que le dragueur ne saoule tous les passagers pour s'asseoir à côté de moi. Ok, je vais donc soudoyer l'hôtesse pour m'asseoir à côté de mademoiselle Eve. Et moi, je vais demander au pilote de me protéger de monsieur... Hey, attends, on n'a pas le même numéro de vol. Bah, comment ça? Bah, regarde, moi je suis 18-16 et toi 95-25. Et en plus, il ne décolle pas exactement à la même heure. Non, il y a deux vols qui partent pour la même ville à 10 minutes d'intervalle. Ils ont dû en rajouter un quand le premier a été rempli. Merde, là. Votre attention, s'il vous plaît. L'embarquement pour le vol 18-16 va maintenant commencer, porte 25. Nous demandons aux passagers accompagnés d'enfants, ainsi qu'aux membres du programme Fast Fly, de bien vouloir se présenter en porte d'embarquement. Your attention, please. Boarding for flight 1816 is now open gate 25. Mon vol. Ouais. Salut. Salut, bon vol. On aille boire un verre d'arrivée, vu que nos vols arrivent à un peu d'écart. Si, c'est une bonne idée. Et je commanderai pas d'alcool, c'est promis. Tiens, c'est mon numéro. Bon, voilà, faut vraiment que j'y aille. Ok, à très vite. Votre attention, s'il vous plaît. Nous informons les passagers du vol 95-25 que suite à un problème de gestion du trafic, l'embarquement est repoussé de 20 minutes. Your attention, please. We inform passengers of the flight 95-25 that due to a traffic management issue, boarding is delayed of 20 minutes. J'arrive pas à comprendre ta décision. Je pense que c'est pas la bonne. J'aurais juste en discuter avec toi. Je vais monter dans l'avion, là. On peut peut-être en discuter quand j'arrive. Tiens-moi au courant. Cigarette ? Non, non, merci, j'essaie d'arrêter. Je crois qu'on est sur le même vol. Celui qui est en retard, j'espère qu'il va partir vite. Moi aussi. Les locaux, c'est tout le temps en retard. On peut pas tout avoir. Vous voyagez souvent ? Trop souvent. Vous aussi ? Plutôt pas assez. Il n'y a plus que 5 minutes et il commence l'embarquement.
Votre attention, s'il vous plaît. L'embarquement pour le vol 9525 va maintenant commencer, porte 33. Nous demandons aux passagers de bien vouloir se présenter à la porte d'embarquement. Your attention, please. Boarding for flight 9525 is now open, gate 33. We ask all the passengers to present at the gate for boarding. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Merci. Ici, premier rang. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis sur votre droite. Merci. Bonjour. On va avoir un retard de 20 minutes. Si on embarque rapidement, on devrait pouvoir rattraper. L'avion n'est pas plein. Le vol d'avant en a pris pas mal. On doit avoir une équipe de foot suédoise, mais ils ont changé leur plan. Ça devrait le faire. Ok. Il faut voir si des correspondances tendues ou pas. Je m'en occupe. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci. Bonjour. Mais on n'est pas à côté je crois là. Bah non. Je vais essayer de demander si on peut pas. Ouais mais c'est bon, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour monsieur. Tiens au courant pour le retard. Ok, vous voulez boire quelque chose? Un café pour moi. Tu veux quelque chose? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est par ici sur votre route. J'espère qu'il n'y aura pas de bébé sur ce vol cette fois. Ouais grave, la dernière fois à Barcelone, il y en a qui a pleuré pour tout le vol. Merci. Il faut faire l'annonce d'avitaillement avec embarquement en cours. Tout de suite. Attendez, monsieur, je vais vous aider. Ouais, on va le mettre de l'autre côté, voilà, là il y a de la place. Excusez-moi. Ah, pardon. Merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. C'est Paris. Madame, monsieur, nous procédons actuellement au plein de carburant. Nous vous demandons de ne pas attacher votre ceinture et nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer. Ladies and gentlemen, we are currently refueling. Please remain seated and do not fasten your seatbelt. We remind you that smoking is strictly forbidden. Bonjour, je peux prendre le hublot? Bah en fait, j'avais pris le hublot pour pouvoir me caler. Ouais, enfin, si vous dormez, ça sert à rien de prendre le hublot. Ok. Allô. Madame, l'avion oui. N'est pas plein, venez, je vais trouver un autre hublot. Oui, parce qu'il veut se caler à côté du hublot, ça sert à rien, là. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis votre pilote et je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol.
Suite à des contraintes de gestion de trafic à l'aéroport, nous devrions décoller avec un retard d'environ 20 minutes. Merci de votre compréhension et excellent vol. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm your captain and I'm pleased to welcome you aboard this flight. Due to traffic management troubles at the airport, our flight will take off with a 20 minutes delay. Thank you for your understanding. I wish you a very pleasant flight. Embarquement terminé. Ok, faut qu'on s'active. Bonjour madame. Désolée. Oui, c'est par ici, s'il vous plaît. Madame, monsieur, bonjour. Je suis votre chef de cabine et je suis heureuse de vous accueillir sur ce vol. L'embarquement est à présent terminé. Notre décollage est imminent. Les bagages à main doivent être placés dans les coffres à bagages ou sous le siège devant vous. Les portes et issues doivent rester dégagées de tout bagage. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm your chief purser and I'm pleased to welcome you aboard this flight. Boarding is finished by now. We shall be leaving shortly. Your belongings must be stored in the overhead compartment or under the seat in front of you. Doors and exit must remain clear of luggage. Thank you. Ça va? Oui. En fait, j'ai peur de l'avion. Alors j'attends toujours le dernier moment pour embarquer. Le temps d'une dernière cigarette? Oui. Enfin, j'espère que c'était pas vraiment la dernière. Tout va bien se passer. Statistiquement, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Wings 9525, bonjour. Boeing 737, parking L23, prêt à copier la clairance. Wings 9525, bonjour. Vous êtes autorisé à destination. Prévoyez la piste 25L, départ GER 4A, transpondeur 1000. Wings 9525, on prévoit la 25L, départ GER 4A, transpondeur 1000. Wings 9525, c'est correct. TISAT à 11h10, rappelez prêt. Nous allons décoller en piste 25L, destination DUS, sur un départ GER 4A, en montée vers le flight level 70. La masse de décollage est de 54 tonnes 200. Les vitesses retenues pour le décollage sont V1 129 nœuds, VR 135 nœuds et V2 155 nœuds. En cas de panne avant V1, j'effectue un arrêt décollage. Après V1, on poursuit 1000 pieds dans l'axe de piste et on tourne à gauche cap au sud en montée vers 3000 pieds et retour atterrissage BCN en fonction. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt décoller. Veuillez attacher votre ceinture, redresser votre siège et relever votre tablette. Les appareils électroniques peuvent être utilisés en mode avion pendant toute la durée du vol. Nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et qu'il est interdit de fumer dans les toilettes. L'utilisation de la cigarette électronique n'est pas autorisée à bord de l'appareil. Ladies and gentlemen, we are about to take off. Please fasten your seatbelt, make sure your tray table is stowed away and that your seat is in the upright position. Electronic devices can be used in airplane mode during the flight. We remind you that it is a no-smoking flight and it's strictly forbidden to smoke in the toilets. The use of electronic cigarettes is not allowed into the aircraft. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Armée vérifiée. Armée vérifiée. Armée vérifiée. Armée vérifiée. Armée vérifiée. Wings 9525, bonjour, au parking L23, prêt au push. Wings 9525, bonjour, repoussage approuvé face au nord. Wings 9525, on repousse. J'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes. L'équipage va maintenant procéder aux démonstrations de sécurité. Merci d'y prêter attention. The cabin crew is now doing the safety demonstration. Thank you for paying attention. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre et à l'arrière.
En cas d'évacuation, un marquage lumineux au sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center and at the rear. In the event of an evacuation, walk along the illuminated path. Les ceintures de sécurité s'attachent et se détachent de la façon suivante. Nous vous recommandons de les maintenir attachées de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. To release the seatbelt, just leave the buckle. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Tirez sur un masque pour libérer l'oxygène. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. If there is a sudden decrease in cabin pressure, oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask toward you. Place the mask over your mouth and nose and breathe normally. En cas de nécessité, prenez le gilet sous votre siège et passez la tête dans l'encolure. Gonflez votre gilet à l'extérieur de l'avion en tirant sur les poignées rouges. If necessary, take the life jacket under your seat and place it over your head. Inflate your life jacket by pulling the red lever when you are outside the aircraft. La notice que nous vous présentons contient des consignes de sécurité. Veuillez consulter l'exemplaire placé devant vous. We encourage everyone to read the safety information leaflets located in front of you. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for attention. We wish you a very pleasant flight. Wings 9525, prêt à rouler. Wings 9525, roulez, stop KG1, puis contactez le sol 121 décimal 980. Wings 9525, on roule et on contacte le sol 121 décimal 980. Madame, je vous demande de ranger votre ordinateur pour décoller, s'il vous plaît. Cabine prête. Wings 9525, bonjour, au stop KG1. Wings 9525, bonjour. Roulez tout droit, taxiway Q pour le point d'arrêt Q3. Wings 9525, on roule sur Q, point d'arrêt Q3. DNC, préparez-vous au décollage. Wings 9525, prêt au départ. Wings 9525, affirmatif. Wings 9525 de Q3, autorisé, alignement et décollage, piste 25L, vent 280 degrés, 4-2. Wings 9525, autorisé, alignement, décollage, piste 25L. Des moments les plus délicats. Entre 20 et 30% des accidents sont les études. En vol, on est tranquille. Et les 80% restants, c'est quoi? C'est l'atterrissage? Entre 50 et 70%, oui. Et dites-vous qu'un accident n'arrive que tous les 1,2 million de vols. Ce n'est rien. C'est censé me rassurer. Vous avez plus de risques de mourir en tombant de votre lit qu'en prenant l'avion.
Alors, t'as commencé ton traitement ? Non, pas encore. J'attendais d'avoir fini histoire d'être vraiment reposée. J'aimerais vraiment que ça marche, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on essaye. Oh mon petit chat, mais y'a pas de raison. Ça va marcher. En même temps, tu sais, avoir un enfant, c'est quand même pas de tout repos. Hein. Tu vois, moi j'en ai trois. Et franchement, partir en vol, c'est comme partir en vacances. Et en même temps, depuis que mon ex-mari s'est souvenu qu'il avait des enfants, ça me facilite un peu la vie. Tu me passes le soda, s'il te plaît ? Merci. Oh, mais je trouve plus les notes cajou. Mon problème, c'est pas de mourir. Comme vous le dites, je peux mourir plus facilement n'importe où. Non, mon problème, c'est d'avoir peur. Voir la mort arriver. Et en avion, j'ai l'impression de m'approcher d'elle. Des fois, j'oublie. Et à chaque turbulence, elle revient. Les turbulences sont inoffensives. Vous n'allez pas en avoir peur. Elles sont normales. C'est plutôt leur absence qui est exceptionnelle. Ne me ferait pas croire que tout va bien quand on est secoué dans tous les sens. Les turbulences légères et moyennes constituent un désagrément pour les passagers. Les avions sont conçus pour résister à des turbulences beaucoup plus fortes. Leur seuil de rupture est très au-delà du seuil de confort à l'intérieur de la cabine. Et quand un avion tombe ? Le décrochage, vous voulez dire ? C'est très rare. Ça s'est déjà vu. Ça peut arriver lorsqu'un avion vole trop lentement. Mais vous savez, avec les pilotes automatiques, les alarmes, les protections, ça n'arrive quasiment jamais. Et les pilotes sont formés. Oui, dans un crash, les pilotes sont toujours formés. C'est une question de confiance. Lorsque vous prenez l'avion, vous acceptez de remettre votre vie entre les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Exactement. L'avion est l'arme la plus dangereuse du monde. Quand elle tombe entre de mauvaises mains, elle peut faire des centaines de morts en quelques secondes. Un train bondé lancé à pleine allure, c'est pas mal non plus. Et dans un train, vous avez toujours l'espoir de vous en sortir. Vous en savez des choses ? Vous êtes engagé par la compagnie pour rassurer les clients ? Vous avez bien choisi votre place. Non. Je travaillais dans l'aéronautique. Mais ça, c'était avant. D'accord. Et là ? Vous voyagez pour le travail ? Non ! Holidays ! Vacances, vacances, vacances ! J'ai une correspondance à l'arrivée et ensuite un mois en Amérique du Sud. Putain, ça me saoule, là. Je crois qu'on a trouvé le boulet du vent. Si tu crois qu'il y en a qu'un. Madame, elles sont en service. Il faut utiliser celle à l'arrière de l'appareil. Putain, c'est abusé, sérieusement, quoi. Oh, c'est la dernière fois que je vole avec vous. C'est vraiment n'importe quoi, cette compagnie. Ça vous dérange si je m'assois ici ? Comme ça, je serais pas dérangé par les allées et venues dans le couloir. Non, non, bien sûr. Pas de soucis. Pardon. Oh putain, c'est relou. Super. Vous avez l'air content de rentrer ? Oui, je pense qu'il y a des choses sympas pour moi à l'arrivée. La fille avec qui vous parliez dans le hall ? Vous l'avez remarqué ? Qu'il ne l'aurait pas remarqué, elle avait un rire. C'est clair. En tout cas, on a bien accroché. Et vous pensez vraiment la voir à l'arrivée ? Pourquoi pas ? En tout cas, je vais tout faire pour. Des fois, ça suffit pas. Je suis sûr que quelqu'un vous attend aussi. Raté. Si vous pensiez à un petit copain, vous arrivez une semaine trop tard. Il m'a largué par SMS vendredi dernier. Me demandez pas pourquoi, j'en sais foutrement rien. Ouch. Désolé d'avoir mis les pieds dans le plat. Pas de soucis, si je vous en parle, c'est que j'en ai envie et puis... Je fais que ça, j'en parle à tout le monde en ce moment.
Enfin, je veux pas vous embêter avec ça. Bonjour, monsieur. Vous désirez boire quelque chose? Oui. Vous avez du jus de tomate? Oui. Sucré, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, vous m'embêtez pas, j'ai vécu ça aussi. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait eu des gens pour m'écouter. Et à part ma mère... J'ai la même. Enfin, je veux pas vous dégoûter avec ça. Vous êtes au début d'une relation, là où on fait des projets, où on se prend pas la tête. C'est vrai que c'est une sensation agréable. C'est un peu comme une drogue. Quand ça s'arrête, on est en manque. Mais vous avez vraiment accroché avec la fille de l'aéroport? Oui, je crois que oui. On n'a pas besoin d'une vie entière pour savoir qu'on aime quelqu'un. Parfois, 10 secondes, ça suffit. Sa voix, son regard, ses gestes. Et c'est pour cette raison, après, qu'on peut passer une vie entière avec cette personne. Une vie entière, carrément. Mais vous êtes complètement drogué. Non, mais c'est l'idée, quoi. Et vous? Je veux pas vous ressasser de mauvais souvenirs, mais je suis sûr que la première fois que vous avez vu votre mec, ça a matché direct. Pas faux. C'était il y a combien de temps? 6 mois. Oui, je sais, ça fait pas beaucoup, j'ai pas de quoi être si malheureuse, blablabla. Et attendez, moi je viens de vous dire qu'en 10 secondes, je pouvais tomber amoureux, donc 6 mois c'est quasiment toute une vie pour moi. Oui, mais je sais pas, les gens ils ont tendance à minimiser mon histoire. Comme s'il fallait rester 10 ans avec une personne pour avoir le droit d'être malheureux quand on se sépare. Non mais ça c'est le discours des gens qui essayent de vous remonter le moral, c'est normal qu'ils disent ça. Oui, et puis t'es en bonne santé, t'as un toit, enfin de quoi je me plains quoi. Ah mais ça, le mal-être c'est un sentiment personnel, y a pas de hiérarchie dans la peine. Vous avez bien fait de vous asseoir à côté de moi. On peut peut-être se tutoyer, non? Bonjour madame, vous désirez quelque chose? Est-ce que vous avez du vin? Alors en blanc nous avons du chardonnay, en rouge du château Margaux ou bien une coupe de champagne? Du chardonnay s'il vous plaît. Oui. Un café, la journée n'est pas encore finie. Merci. Une gourmandise sucrée ou une pause salée? Sucrée, s'il vous plaît. Monsieur? Allez, oui. Merci. Et vous, vous voyagez pour quoi? Vacances également? Non, pour le travail. Je suis dans la défense. Je vais voir des clients. Donc vous prenez souvent l'avion? Et ma peur grandit à chaque fois. J'ai l'impression d'augmenter mes chances d'avoir un accident. Faut pas trop tenter le diable. Si je pouvais éviter de mourir en avion pour le travail. Détendez-vous. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ça va, t'es une chouchotte. Attends, tu déconnes ou quoi? Oh non. Waouh, ça réveille. Donc heureusement que mon verre est vide. L'avantage de boire vite. Ah, pardon, pardon. Putain. Aucune raison de s'inquiéter, hein. Ça surprend, mais ce n'est pas dangereux, je vous assure. Ouais, c'est ça, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Calmez-vous, c'est fini. Messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Merci de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Ladies and gentlemen, we are running into some heavy weather, so please remain seated with your seatbelt fastened. Demande au contrôle s'ils ont des reports de turbulence au niveau FL 360 ou 340. Si c'est bon, demande à descendre. Thank you.
Non. C'est pas encore fini. Merci de bien vouloir rester assis, ceinture attachée. J'ai allé aux toilettes. On va pouvoir remonter au niveau 380, 38 000 pieds, demande au contrôle. Mesdames, messieurs, veuillez nous excuser pour ces turbulences. La suite du parcours est plutôt dégagée, donc la suite du vol devrait se poursuivre sans encombre. Merci. Ladies and gentlemen, we apologize for this turbulence we crossed. The rest of the route is quite clear. The flight should be alright now. Thank you. Ça va? C'est une situation complètement normale. Nous circulons sur des flux d'air. Non, c'est même pas la parole. À aucun moment votre vie n'a été en danger. Remballez vos beaux discours. Pas la peine d'être agressive. Je veux juste vous aider. J'ai eu peur. Ça vous arrive jamais d'avoir peur? Plus maintenant. Je l'ai évacué. Comment ça? Vous avez peur d'avoir peur. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de ne plus maîtriser. Oui. Oui, c'est un peu ça. Et donc? Maîtrisez votre peur. Vous avez peu de chances de mourir ici, et encore moins de souffrir. Si un gros accident se produit, nous exploserons en vol et vous ne vous rendrez compte de rien. J'adore votre façon de me rassurer. Avant, je craignais de prendre l'avion parce que je me disais que si je disparaissais, les choses allaient être compliquées pour ma famille, mon entourage, mes collègues. Certes. Pour des gens qui prennent l'avion fréquemment comme vous et moi, c'était forcément un supplice. Alors j'ai organisé ma vie pour maîtriser cette peur. C'est-à-dire? Si je disparais, je n'ai plus peur que les choses soient compliquées pour les gens qui restent. Les gens savent ce qu'ils doivent savoir. Et je n'ai plus peur d'emporter avec moi des choses que d'autres ignorent. Ça a changé ma vie. Ça m'a secoué, ça m'a retourné le bide. Tu veux mon sac à bobine? Oh, j'espère que c'est bientôt fini. Ouais, vivement qu'on atterrisse. Je ne vous demande pas de faire en fonction de l'avion, mais vous avez une phobie. Vous devez apprendre à la maîtriser. Vous comprenez? À peu près. Allez, maintenant pensez à des choses plus agréables. Vous allez faire quoi à l'atterrissage, par exemple? Continuation. Et encore merci de m'avoir supporté. Je vous en prie. Et pensez à ce que je vous ai dit. Je manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Ah, comme ça, tu es rentré au pays? Eh, ça fait une heure que je t'attends. Mon avion est du retard, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Comme quoi, tout arrive. Je pensais pas que tu allais m'attendre. Qui te dit que c'est toi que j'attendais? Convainc-moi du contraire. Bah, j'ai perdu ma valise et j'attends qu'on la retrouve. Tu n'avais pas de valise. J'en ai eu. Et tu peux m'avoir n'importe où. On bouge ?
Si. J'ai besoin de temps. On va se poser quelque part. Tu as fait bon vol ? J'ai dormi, j'ai fait plein de rêves. Et toi ? Je me souviens pas avoir dormi. J'ai dû rêver tout éveillé. De quoi ? De toi. Tu me ressors ta panoplie du dragueur, là. Non, non, c'est vrai. On fait quoi ? On rentre, non ? Oui, et après ? Bah, je sais pas. T'avais quelque chose de prévu pour ton retour ? Non. Moi non plus, je pensais me morfondre de la fin des vacances et regarder avec nostalgie les photos du week-end. Avec un verre de vin ? Tu lis dans mes pensées. Et si on zappait les photos et qu'on gardait que le verre de vin ? Je valide. Pourquoi est-ce que je t'ai pas rencontré avant ? C'est toi qui ne dis plus rien maintenant. J'ai déjà beaucoup parlé, peut-être trop. Mais toi, je sais pas ce que t'en penses. Alors je fais des suppositions et en fait, je sais pas. C'est pas facile pour moi de parler. Encore moins pour dire que j'ai eu tort. J'ai eu peur de m'attacher, sans être sûr. Si tu veux pas t'attacher, t'attaches pas. Si t'es pas sûr, on continue. Mais comme avant. Ce serait pas honnête envers toi. Ni envers moi, d'ailleurs. Et puis bon, on a plus 20 ans, faut prendre des décisions. Justement, ta décision. J'ai pas compris. C'était peut-être pas la bonne décision. Mais en fait, je regarde autour de moi, les gens filent le parfait amour et moi je suis à la ramasse. Peut-être que j'ai envie de brûler les étapes, d'être tout de suite sûr d'être avec la bonne personne. Tu crois que je suis pas la bonne personne ? Je sais pas. J'ai aimé tous les moments qu'on a passés ensemble. Absolument tous. Y compris ce moment-là. Moi aussi, je suis contente que tu sois. J'ai hésité. Je suis toujours indécis, tu sais. Tu sais, moi, même si ça fait 6 mois, je suis sûre de ce que je ressens. Je suis bien avec toi. Et je peux comprendre qu'il te faille du temps pour être sûre. Je suis prête à prendre le risque. Mais il faut que tu me mettes du tien, je peux pas tout faire toute seule. J'ai eu tellement d'histoires d'amour qui n'ont pas marché qu'aujourd'hui, j'ai tendance à me précipiter. Alors qu'au contraire, je devrais prendre mon temps. Mais avec toi, je suis à l'aise. C'est rare qu'on peut se laisser aller comme ça. Toi, tu m'apportes ça. Je peux t'apporter tellement plus si tu me laisses une chance. Tu sais, je t'aime pas. Ah pardon, je t'ai réveillé. Désolé. Si ça peut te consoler, elles m'ont réveillé moi aussi. C'est toujours quand tu finis par t'endormir qu'elles passent pour te déranger. Oula, mauvais rêve, non ? C'était juste trop bizarre pour être vrai. Ouais, moi aussi je me suis assoupi. Je suis parti loin. En même temps, c'est le principe des rêves. Et la réalité est bien différente. J'ai rêvé de mon ex. Ah. Cauchemar alors plutôt, non ? Tu crois que c'est trop demandé de trouver quelqu'un qui tienne juste à moi ? Cherche pas forcément un top modèle hyper friqué et hyper intelligent. Enfin, quoi qu'hyper intelligent, c'est quand même important. Ok, bon bah, je suis éliminé d'office alors. Je veux juste quelqu'un avec qui se moquer des gens dans la rue, critiquer les émissions à la télé. Et surtout, un mec que j'ai pas envie de foutre dehors dès le matin quand je me réveille. Et ça arrive pas souvent. Oui, mais les coups de cœur, c'est chimique, ça se contrôle pas. Tu peux très bien tomber sur l'homme de ta vie quand tu descends de cet avion, ou dans 30 ans. Je déteste cette expression, l'homme de ma vie. Que ma grand-mère puisse dire ça à mon grand-père passe encore, ils ont passé leur vie ensemble. Mais moi, ça veut dire qu'il y a un homme de ma vie sur Terre et que je dois le trouver. Sur Terre ou dans les airs ? Rendors-toi, passager 8E. 8D. 8D, s'il te plaît. Je suis au 8E par intérim. Si l'avion se crash, c'est sur le 8D qu'ils vont venir me chercher. S'il y a un crash, il n'y aura plus rien à chercher, mec. S'il y a un crash, tu n'auras pas besoin de chercher l'homme de ta vie. C'est le bon côté des choses, non ? Toi, tu pourras pas retrouver la jolie passagère dont tu es chimiquement tombé amoureux en 10 secondes. Dommage, hein ? C'est d'elle dont j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'elle allait m'attendre à l'aéroport. T'as de l'espoir. Attention à la chute. Thank you.
toujours pas eu le temps d'aller aux toilettes. Vas-y, quand tu veux. Il faut préparer l'approche pour l'atterrissage. Vérifie la météo du terrain d'arrivée, je vais aux toilettes, et quand je reviens, on fait le briefing. On verra. Tu peux y aller. Tu peux y aller maintenant. À tous les commandes. J'espère. Ça va ? Nickel, et vous, pas trop secoué ? Oh, quelques nausées, rien d'exceptionnel. Des nardes. En service, commandant. Ah oui, c'est vrai. Wings 9525, ici contrôle 184 décimal 250, vous me recevez ? Wings 9525, ici contrôle 184 décimal 250, vous me recevez ? Amorce déjà la descente ? Ouais, on va commencer. C'est moi. C'est moi, ouvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Wings 9525, ici contrôle 184 décimal 250, vous me recevez ? Wings 9525, nous détectons une descente non signalée, pouvez-vous confirmer ? Terrain. Pull up. Sink rate.
Oh, ah. Terrain. Pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte! Mais c'est quoi ces bruits là? Vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher le pied de biche à l'arrière. Dépêchez! Le pied de biche, vite! Qu'est-ce qui se passe? Le copilote est enfermé. Faites attacher des passagers. Merci. Restez assis! Attachez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous et attachez-vous! J'ai pas un truc avec le pilote, apparemment. C'est pas normal! Entrez. Dites-moi que vous n'avez pas peur. Je n'ai pas peur. Va faire sur les bras de lui, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? Attachez-vous, messieurs. Restez assis. Où c'est putain de porte? Calmez-vous! Mais sérieux, je comprends pas! C'est quoi ce bordel? Putain, ils peuvent pas! Ils vont trouver une solution, c'est obligé! Calmez-vous! Restez assis, je peux! Les probabilités sont faibles! Trop tard pour quoi? Il n'est jamais trop tard pour arrêter d'avoir peur! La peur n'empêche pas le danger! Si quelque chose doit arriver, alors que nos dernières minutes aient été calmes et apaisées. Terrain. Pull up. Think rate. Pull up. Terrain. Adoptez la position de sécurité, crispez-vous.
5, répondez. Les passagers du vol sont morts, les membres de l'équipage aussi. On ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment comment. Certains corps ont pu être identifiés et restitués aux familles, d'autres non. Le deuil sera long et difficile. Certains se lanceront dans des actions en justice pour obtenir des réparations, comme si la mort avait un prix. Et d'autres essaieront de s'élever, de trouver la paix, de retrouver un sens à la vie et de ne plus avoir peur.